chier. Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on fasse un détour. Maintenant? Ouais, non, tu crois que j'ai le choix? Ouais, mais... Démarre, discute pas. Discute pas, démarre! Si on peut juste se concentrer sur ce qu'on a à faire. Mais tu crois que ça me fait plaisir de faire le livreur pour ces enculés? Faire traiter comme de la merde parce qu'on a de Kevin? Ok, c'est bon. Hey, ça va changer. Quoi, t'as du nouveau? Ouais, j'ai encore suivi cet enculé hier. Regarde. Kevin? Tu reconnais l'Albanais, là? Oh putain. Rien que ça. J'envoie ça à son boss et c'est fini pour sa gueule. Et devine qui va prendre sa place. Bon, on y va. T'as vu, il va bien notre chouchou. Ouais, j'y ai maintenant. T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est parce qu'il a pas le choix, sinon il est foutu. Oui, on se voit ce soir. Personne vient par ici. Ouais, c'est tranquille. Arrête, t'es pas obligé de faire ça. J'ai toujours préféré les sonorités douces aux tonalités agressives. Un coup de feu, c'est vulgaire. Un os qui casse, c'est de la poésie. Tu me fais une seule fausse note et je fais du Mozart avec ce ta gueule. C'est compris? Regarde-moi. C'est compris? T'es sûr de ce que tu dis? Il sait que tu magouilles avec les Albanais. Les mêmes gars qui essaient de détrôner ton boss. C'est que des mots, ça. Il a pas de preuves. Il a pas de preuves. Mais il en aura, t'inquiète pas. Il se fait une putain de fixation sur toi. Il va pas te lâcher. En plus, c'est une bonne occasion de prouver à ton boss qu'il a des couilles. Et prendre ta place. On a un coup de privé avec Danko. Et là, je te promets un truc. C'est la dernière fois que tu verras ce type. Après, tu continues ton business, tranquille. On est gagnant-gagnant. T'auras ton fric ce soir. Maintenant, laisse-moi tranquille. Tu fous quoi? Putain, tu fous quoi? Ose même pas. Je lève plus le petit doigt ici. Même le gosse, je nourris plus. Ta gueule! Y en a marre. On a des factures par-dessus la tête et toi tu te barres faire du vélo? J'ai déjà dit qu'on allait s'en sortir. Ah ouais? Et comment? Comment? Tu vas gagner le putain de Tour de France? Arrête de faire chier. Putain, il m'a ouvert le crâne ce con. Hey. Appelle ton père maintenant, ok?
Ouais, t'as bien compris, 40 000. Tu viens seul, t'appelles les trucs, je mets deux balles dans les couilles, tu peux dire au revoir à tes petits-enfants. Donne-lui le téléphone. Ouais, papa, dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi. T'as compris où c'est? T'as 40 minutes. T'as intérêt à bouger ton cul. Il a dit oui sans faire d'histoire. Ouais, je te l'avais dit. Tu entends son bébé pleurer. Tu peux demander le double. Hey, on a un plan. On le respecte, ok? Son père va pas tarder. On va vers la route. C'est bientôt fini. Tout le temps sur ses gardes. Et il sait servir d'un flingue. Il me faut un plan sûr. Une distraction parfaite. Hé hey hey. Attendez. Y'a un gars. Y'a un gars attaché là-bas. Je suis arrêté là-bas pour pisser. Y'a un gars attaché dans le souterrain. Faut appeler la police. T'es pas obligé de faire ça. Putain, on fait quoi maintenant? Le vieux va pas tarder là. Je reste avec le gros là. Toi tu récupères la thune. Vas-y. Bouge! On fait sa vieille école. Paf, paf! C'est parti! Tout ce que t'as eu, c'est une petite égratignure au menton. Je sais pas comme t'es sur le terrain, mais avec la bouche, un vrai poids lourd. Il faut arrêter les conneries, Ronnie. C'est pas comme ça que tu trouveras ta place. Et arrête de boire cette merde! Centrale à patrouille 7. Ouais? Appel d'urgence. Deux hommes armés. La victime porte une tenue de cycliste. Vous pouvez vous rendre sur place? Ouais. On est là dans 10 minutes. 15 au max. Vas-y, démarre! Démarre! Une seule fausse note. Oh. Et j'ai tout le hasard avec ceux de ta gueule. C'est compris. Faudra pas le rater. Parce qu'on va vite être dans la merde. Tu fais ce que t'as à faire, je m'occupe du reste. Je vais lui mettre deux balles, pour être sûr. Et une troisième dans la gueule. Rien que pour faire chier les croque-morts. Tu roules pour qui, toi, hein? C'est Kevin. C'est Kevin qui m'attend. Non! Là, 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 il est là, 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 là. Ils sont où? Ils sont là-bas, à 50 mètres. Il y a deux mecs. Jetez vos armes! Putain de merde, Ronnie! Le
Le cycliste, c'est la victime. Père. Bugs and flowers sample the corpses. Their feelers shrug them for ages. What a nice pleasure. What a wonderful leisure. The wind as a cherished friend announces delightful end. Can't you hear them laughing? There is no reason to be afraid. You will feel great in this glade. Spirits are dancing, their tears are melting. Our mystical experience is awaiting for you. Bugs and flowers sample the corpses. Their feelings shook them for ages. What a nice pleasure. What a wonderful leisure. The wind as a cherished friend announces delightful end. Can't you hear them laughing? His spirits are passe, putain. Je suis désolé, je peux pas le faire. Ça crève. C'est quoi ton délire là? Putain, il y a trop de risques là, ça pue. Mais je t'ai dit que je serais là, moi. Tout ce que t'as à faire, c'est de suivre le plan et de faire semblant d'appeler ton père. Oui, et puis moi je suis enfermé dans un coffre, je te rappelle. Et puis je suis juste un tout petit peu claustro. Tu crois que je fais ça pour qui, moi? C'est pour que tu payes tes dettes et que t'arrêtes ta vie de merde là. Je fais ça pour nous. J'ai juste besoin que tu me fasses un peu plus confiance. Je te fais confiance. C'est quoi? Ça va bien se passer. Je te promets. C'est tout bien. Thank you.